Comment faire des cellules royales en cire d'abeille grâce à une matrice en silicone? On plonge. Voilà. Une fois, deux fois pour une épaisseur. Et on attend. En fonction de ce que vous voulez en hauteur, on va... Par exemple, ici, on en a mis un tout petit peu, ici, on en a un plus grand. Ça, c'est votre choix. C'est le choix de l'apiculteur. On attend un peu, et quand c'est sec, secondes plus tard, on peut démouler. 30 secondes plus tard, on peut, en tournant, on démoule délicatement les cellules. Secondes plus tard, nous arrivons à démouler. Nous avons nos cellules. Une grande. Petite. Voilà, hop. Voilà.